Bonsoir à tous. Et il est 11 h. On va démarrer avec cette session de formation. Je me présente. Je suis Betty Pierre-Alexandre. Je coordonne les activités pour ATMLH, l'Association des technologistes médicaux licenciés d'Haïti. Je souhaite la bienvenue à tout un chacun à cette session de formation. Cette formation entre dans le cadre des activités réalisées en prélude à la Semaine internationale des professionnels en biologie médicale qui se tiendra cette année 26 au 30 avril. Aujourd'hui, vous allez suivre cette formation qui est titrée La profession de technologie médicale en Haïti, ce qui exige les employeurs. C'est un travail de recherche qui a été fait par le présentateur lui-même, Marc-Mi Présumé, qui aura la chance de se présenter à vous tout à l'heure et avec ses collègues. Je vous souhaite une fois de plus bonne participation à cette dernier vendredi en prélude à la Semaine internationale des professionnels en biologie médicale. Et à partir de la semaine prochaine, à partir de lundi, vous aurez des sessions de formation chaque jour. Déjà, on vous attend à la prochaine session de formation qui se tiendra lundi. Marc-Mi, je te cède la parole. Merci de te présenter au public. Merci, Betsy. Bonjour à tous. Encore une fois, merci d'avoir manifesté votre intérêt pour cette session de formation qui va se dérouler autour des exigences des employeurs en ce qui a trait à la technologie médicale en Haïti. C'est un travail de recherche, comme l'a dit Betsy, qui a été réalisé par moi et mon équipe en octobre dernier. Je suis Marc-Mi Présumé, technologiste médical avec une spécialisation en information médicale. Cette spécialisation est due à un diplôme que je viens tout juste de boucler dans le cadre de mon étude en santé publique. C'est une maîtrise en santé publique que je suis en train de poursuivre à l'Université de Marseille. Je suis coordonnateur de l'ATMLH. Et je travaille pour la compagnie allemande Human Diagnostics à titre de country manager. L'objectif de la présentation est de vous permettre de cerner les exigences des employeurs lorsqu'il y a trait de combler des postes de supervision. Cela va vous permettre de vous évaluer dans un premier temps et par la suite de vous et de vous adapter, ou du moins d'adapter votre profil par rapport au marché de l'emploi. Ce que nous attendons vraiment de vous, nous attendons à ce que, à la fin de la présentation, vous commencez à faire une sorte d'autocritique et à rechercher des formations appropriées afin que vous puissiez recadrer votre profil pour que vous soyez beaucoup plus compétitif sur le marché de l'emploi. Quelle était la motivation de cette étude? Tout d'abord, on a fait un constat. On a vu que tous les technologistes médicaux ont leur profession à la paillasse. Donc, c'est comme si on ne travaille pas dans l'enceinte d'un laboratoire. C'est comme si on n'exerce pas la profession de technologie médicale. Ceci est si vrai que je me rappelle, lorsque j'étais coordonnateur de réseau de laboratoire, chaque fois que j'arrive dans un laboratoire aux fins de supervision, les gens m'accueillent avec un lot d'examens et une blouse, me demandant de les aider afin que moi, je n'oublie pas ma profession. Et il y a beaucoup de responsables de laboratoire qui sont pris dans ce piège. Ils abandonnent leur principale activité, qui est une activité de supervision et de bureau,
pour aller s'aligner à la paillasse, pour aller s'aligner à la paillasse comme tout le monde, et ensuite et ensuite négliger le. On peut comprendre que le laboratoire ne peut pas bien fonctionner sans si les activités de bureau ne sont pas faites. Et lorsque vous allez dans un laboratoire, donc vous n'avez pas besoin de rechercher le responsable du laboratoire. Bon, je parle pour la plupart. Dans son bureau, vous pouvez aller directement sur la paillasse et vous allez les trouver. D'ailleurs, les responsables de bureau, compris, donc ils ne donnent presque plus de bureau aux responsables de laboratoire. C'est dommage. Et ils ne vont pas également pour un poste si le poste ne concerne pas la paillasse. Donc, on a, et de nos jours, les postes d'emploi, les offres d'emploi qui sont de qualité sont postulées en ligne et peu de gens participent aux compétitions parce qu'ils croient que, étant donné que ça ne va pas les pousser à travailler directement dans un laboratoire, ils croient que ça ne les concerne pas. Donc, c'est bien malheureux de dire que le rêve de technologiste médical, c'est de travailler comme responsable de laboratoire là où il travaille. Eh bien, qu'est-ce qu'il y a comme résultat? Le fait qu'ils aient cette conception, le fait qu'ils refusent de postuler pour des emplois qui concernent de haut niveau, mais qui concernent le laboratoire. Et on voit comme résultat que des outsiders occupent des postes que des technologistes médicaux auraient pu occuper. Donc, c'est maintenant que nous, cette nouvelle génération, sommes en train d'envahir le système, mais dans le temps, ce n'était pas une surprise de voir un médecin, un pharmacien ou une infirmière venir dans un laboratoire et recueillir des données pour la malaria. Et le plus souvent, donc, le travail est très difficile pour le laboratoire supervisé parce que le laboratoire doit faire beaucoup d'efforts pour justifier les quantités de tests passés en contrôle. Parce que normalement, celui qui n'a pas un background laboratoire donc, va penser que c'est un gaspillage de faire des contrôles de qualité. Pour faire des contrôles de qualité. Donc, c'est ça. Et au niveau des employeurs également, ils sont parfois obligés d'embaucher des sous-prétexte de manque de formation. Et ce qu'ils attribuent comme manque de formation le plus souvent, c'est parce que on n'est pas bien formé. Et sur le plan informatique, on ne connaît pas trop bien l'informatique, on ne parle pas l'anglais, par exemple. C'est réel, ce constat. Et on peut voir un technologiste médical qui ne peut pas vraiment utiliser Word et Excel pour faire des rapports, ou du moins utiliser le PowerPoint pour pouvoir faire une présentation. Donc ça, c'est dommage. Et le plus souvent dans certains emplois, ils ont une exigence interne, ils souhaitent que désolé, j'avais un conflit entre mes différentes sources d'internet et comme résultat, ça a coupé la présentation. Donc, je vous promets que ça ne va plus se reproduire. Je gère le conflit. Je disais que les employeurs, sous prétexte de manque de formation, qu'est-ce qu'ils font? Ils sont obligés d'embaucher des outsiders. Et donc, en fait, ce manque de formation, entre guillemets, c'est souvent un manque de connaissances en informatique, c'est le fait de ne pas pouvoir parler l'anglais. Donc, la réalité est que on peut trouver un technologiste et médical, bon, mais pas un, plusieurs technologistes médicaux qui n'arrivent pas à pouvoir manipuler les outils informatiques. Ils ne peuvent pas utiliser Word ou Excel
pour pouvoir faire ce que l'on appelle un rapport, ou du moins utiliser PowerPoint pour pouvoir faire une présentation. Donc, c'est ça qui arrive malheureusement. Et dans la plupart des cas également, on a besoin et on veut que celui qui occupe le poste ait une maîtrise et c'est difficile de le retrouver. Il y a des technologies à présent qui ont des maîtrises, mais c'est difficile de les retrouver. Eh bien, qu'est-ce qu'on a fait? Et qu'est-ce qui nous était venu à l'esprit? On s'est dit, bon, pourquoi ne pas entreprendre une initiative pour inciter les technologistes médicaux à se former davantage? Et de plus, pour convaincre les institutions qui participent au développement personnel des technologistes médicaux à réviser leur plan d'action. On pensait qu'il fallait que les technologistes médicaux soient informés il fallait que les technologistes médicaux soient informés des différentes opportunités qui existent sur le marché de l'emploi afin qu'ils puissent se former pour pouvoir s'aligner aux exigences des employeurs. C'est ainsi que j'ai monté le projet dans un premier temps, et puis dans un second temps, j'ai fait appel à des volontaires pour venir participer. Donc, j'ai fait appel à des volontaires. Pourquoi? C'est parce que tout simplement, c'est un travail du volontariat, c'est quelque chose de non rémunéré. Il faudrait que la personne qui souhaite participer à l'activité puisse vraiment intéresser, puisse vraiment motiver et de manière désintéressée pour pouvoir mener l'étude à bon port. Donc, j'ai pu retrouver la collaboration de Abdia Charlotin. C'est quelqu'un qui est très, très positif. D'ailleurs, vous pouvez le voir très souriant sur la photo. Donc, il est très positif et sa positivité nous a donné du courage pour pouvoir et vraiment terminer l'étude. Et ensuite, il y a Patrick Edouard qui était très pris à l'époque et par son emploi. Donc, il faisait des déplacements tout et tout. Et il était très, très engagé. Il travaillait même là pour son travail. Mais il s'était sacrifié pour pouvoir et mettre ses empreintes dans ce travail, dans cette étude, parce qu'il y croyait. Et il y a également Nancy Auguste. Donc, Nancy Auguste, c'est vraiment l'infatigable. Elle a fait un travail extraordinaire. Alors, je vais faire une confidence, ce que Abdias et Patrick ne savaient pas. Ils ne savaient pas si Nancy, à l'époque, portait un bébé. Oui, à l'époque, Nancy portait un bébé. Donc, malgré tout, il ne l'utilisait pas pour se décourager. Mais cependant, elle était très motivée. Au contraire, elle, lorsqu'on partageait des activités entre l'équipe, elle était la première à terminer sa part et pour ensuite aider les autres. C'était vraiment intéressant de sa part. Donc, c'est l'équipe qui a mené l'étude. Quel a été l'objectif de l'étude? L'objectif de l'étude a été, dans un premier temps, de déterminer les compétences professionnelles, les compétences complémentaires qu'un technologiste médical peut avoir pour satisfaire aux exigences du marché de l'emploi en Haïti et ce qui va lui permettre de réussir sa carrière professionnelle. Et pour y arriver, on a mis le focus sur les offres publiées en ligne cinq dernières années. Donc pourquoi les offres d'emploi publiées en ligne? Donc c'est parce que tout simplement on a réalisé que et puisque l'étude était menée sur les meilleures offres d'emploi, spécifiquement sur les postes de supervision. Et on sait clairement que tous les postes de haut niveau qui regardent le laboratoire sont publiés en ligne, sur les plateformes en ligne. Donc, c'est pour ça que c'était si important de pouvoir considérer que les offres d'emploi publiées en ligne. Et on s'était intéressé à tous les postes
qu'un technologiste médical pourrait occuper avec ou sans maîtrise. Et puis, on mettait le focus sur la catégorie d'employeur. Est-ce que l'employeur qui postule, qui l'offre, est un ONG, est une ONG, ou bien est-ce qu'il appartient au secteur public ou au secteur privé? Et on a tenu compte du niveau d'études également. Est-ce qu'on exige est-ce que l'offre d'emploi peut être occupée avec un diplôme, ou du moins est-ce que c'est avec une maîtrise, et voire même un doctorat? Et on a tenu compte également du nombre d'années d'expérience. On a tenu compte des compétences techniques additionnelles au diplôme qui est exigé au niveau de l'offre. Et également, bien entendu, on tenait compte des compétences personnelles, donc les compétences qui ont trait avec le caractère de la personne, des compétences qui ne s'acquièrent pas sur le banc de l'école ou qui ne s'acquièrent pas dans un contexte professionnel. Cette étude est disponible sur le site web de la TMLH. Elle a été également publiée en France, d'abord sur la plateforme de l'Université de Marseille, mais maintenant elle est disponible sur toutes les plateformes donnant accès aux archives ouvertes. Donc, ça, au bas, c'est le lien direct sur la plateforme de l'Université de Marseille. Mais si vous allez, si vous tapez le numéro du document, à savoir HAL-0297-6113 sur Google, vous allez aboutir directement sur le document. Maintenant, qu'est-ce qu'on avait obtenu comme résultat? Au niveau des employeurs, comme je viens de le dire, on a divisé les employeurs en trois catégories: ONG, secteur public et secteur privé. Et on a pu constater que les ONG représentent plus de la moitié des meilleurs employeurs, près de, pour être plus exact, 58%. En fait, c'est quand bien même logique, puisque normalement, on sait que comment est-ce que je peux l'expliquer? On sait que les ONG et Haïti, le système de santé est financé presque entièrement par les ONG qui opèrent sur le terrain. Donc, c'est logique pour que les meilleures offres émanent des ONG. Au niveau de la formation et des expériences, on a trouvé 35% des offres qui exigent que l'on ait au moins une maîtrise pour y accéder. Donc, cela veut dire quoi? Donc, parmi toutes les offres qu'on avait screenées, donc 35% des offres, on devrait avoir au moins une maîtrise pour pouvoir accéder à cet emploi-là, pour pouvoir satisfaire les exigences de l'employeur. Et on a exigé une moyenne de 3 années d'expérience pour ce type d'emploi. Et on a fait également un autre constat en essayant de voir les exigences en termes d'années d'expérience par catégorie d'employeurs. Et on a pu remarquer que le secteur privé était plus exigeant en termes d'années d'expérience. D'ailleurs, les exigences moyennes sont supérieures aux exigences moyennes des autres employeurs. Et même les exigences minimales sont plus élevées. Et au niveau de formation, on a essayé de voir également quelles seraient les exigences en termes d'années d'expérience et pour ceux qui ont un diplôme par rapport à ceux qui ont une maîtrise. Et on a très vite compris que plus les gens qui ont une maîtrise
ils sont plus exigés, on les exige beaucoup plus d'années d'expérience. Donc, en moyenne, c'est 5 ans d'expérience qu'on leur exige par rapport à quelqu'un qui a un simple diplôme. Donc, c'est-à-dire, donc, si vous décidez de faire une maîtrise, donc cela ne vous échappe pas de l'expérience professionnelle. L'expérience professionnelle va certainement compter pour beaucoup. Et au niveau des compétences techniques, comment est-ce que ça a été? Donc, on a divisé les exigences techniques en 5 catégories. D'abord, on a les compétences en informatique. On a les compétences en informatique, c'est tout ce qui a trait avec l'informatique, à savoir Word, Excel, PowerPoint, etc. Et on avait également les exigences en termes de langue, allemand et l'anglais. On s'est intéressé beaucoup plus à l'anglais. Et les exigences en termes de connaissances et expérience du terrain. Connaissances et expérience du terrain, c'est beaucoup plus c'est savoir et ce qui se passe dans le milieu. Par exemple, et connaître et ce qui se passe au niveau, par exemple, et connaître le protocole du laboratoire national, par exemple, du ministère de la Santé publique pour une pathologie donnée. Non seulement connaître, maîtriser ce protocole, mais aussi avoir de l'expérience et savoir utiliser certains outils clés. Donc, c'est ça qu'on a dans connaissance et expérience du terrain. Et également, on a fait une catégorie pour connaissance et expérience de la part. Donc, toutes les exigences qui renvoient et dans, aux sphères physiques du laboratoire, on les a regroupées en connaissance de la paillasse. Et puis, on a autre catégorie, c'est les catégories de compétences qui n'entrent pas dans le cadre de ces 4 autres catégories précitées. Et comme vous pouvez le voir, on a vu que dans près de 70% des offres d'emploi, on exige l'informatique. Et ce que vous devez savoir, et ça va certainement vous aider, donc, c'est parce que de toutes ces exigences-là, de ces 70% exigences et de ces 70% de postes où on exige l'informatique, on exige forcément l'Excel. On exige Excel et Word, Excel et PowerPoint, Excel et, ou du moins tout le package Office. Ou du moins, on exige tout le package Office. Donc, c'est-à-dire, normalement, si vous décidez de vous former en informatique, normalement, Word ou PowerPoint à eux seuls ne vont pas vous aider. Il faut nécessairement et forcément l'Excel et il faut à cela, il faut ajouter Word et PowerPoint. C'est très important si vous voulez occuper des postes et de haut niveau, des postes très importants. Et également, il y a l'exigence de l'anglais. On exige que l'on maîtrise l'anglais dans plus de la moitié des offres d'emploi. Dans plus de la moitié des offres d'emploi, on exige que l'on maîtrise l'anglais. Bon, c'est logique si la majorité des offres sont offertes par des ONG, c'est ce qu'il faut pouvoir. Si vous allez représenter le laboratoire au niveau de ce... Désolé, il y a quelqu'un qui est en train d'écrire sur l'écran et évitez de le faire, s'il vous plaît. N'a fait ce comme dans l'aide. OK, oui, je disais que c'est logique. Si vous allez représenter le laboratoire au niveau de ces ONG, il faut certainement pouvoir et parler avec le blanc. Et vous allez voir plus tard que l'anglais est aussi très exigé au niveau du secteur privé et du secteur public. L'une des raisons probables, c'est parce que tout simplement la science évolue et la majorité des outils sont en anglais. Donc, si la majorité des outils sont en anglais, il faut pouvoir une certaine maîtrise de l'anglais
pour que l'on puisse être capable d'occuper cette fonction efficacement, de manière efficace. Et on exige également la connaissance et l'expérience du terrain dans plus de 50% des cas. Et c'est là où je voudrais attirer l'attention, on sait que, là où je voulais attirer votre attention, c'est que les exigences de la FAIA, c'est à peu près 20%. À peu près 20%. C'est pour vous dire que on ne va pas vous embaucher uniquement parce que vous êtes expert dans l'identification de l'Entamoeba coli. On ne va pas vous embaucher dans un poste de supervision, dans un poste de haut niveau, uniquement si vous êtes expert dans l'identification de Balanitidium coli, par exemple. OK, donc c'est important, les compétences clés, les compétences complémentaires qu'on va partager avec vous sont très importantes pour vous si vous voulez si vous voulez accéder à un plus haut niveau dans la pyramide du laboratoire. Et on a essayé de regarder les compétences techniques par rapport aux catégories d'employeurs. Et on peut constater que les ONG sont beaucoup plus exigeants en termes de compétences techniques. Et on a également comparé les compétences techniques par rapport au niveau de diplôme, au niveau d'éducation qui est exigé au sein des postes. Donc on a remarqué également que avec une maîtrise avec une maîtrise, on vous exige beaucoup plus des compétences techniques. Les compétences techniques sont beaucoup plus exigées avec une maîtrise. Et ce qui est intéressant que je voudrais partager avec vous, c'est que on exige moins, non seulement on exige globalement, on exige moins la connaissance de la paillasse, la connaissance de la paillasse pour les postes de haut niveau, et également tant que on exige un niveau de diplôme plus élevé, c'est tant qu'on exige moins les exigences techniques. On peut voir ça que pour les postes où on exige au moins une maîtrise, eh bien, on exige moins la connaissance de la paillasse. Mais à l'inverse, on peut voir que l'informatique et l'anglais sont beaucoup plus exigés. Donc, c'est-à-dire, même quand vous décidez de faire une maîtrise, il est très important, capital, de pouvoir maîtriser et l'informatique, il est capital de pouvoir maîtriser l'anglais. C'est capital. Et également le terrain. Et la connaissance du terrain est très très est de loin très élevée par rapport au pourcentage qui est exigé lorsqu'on exige le niveau de diplôme. Maintenant, on vient de terminer avec les compétences techniques. Pour les compétences personnelles, pour les compétences personnelles, désolé, je dois effacer ce qui est écrit sur l'écran. Donc, quelqu'un a bousillé. Je vais voir comment est-ce que je peux faire pour pouvoir corriger cela. Désolé pour l'interruption. Et puis, je vous prie d'éviter de bousiller mon écran parce que ça n'est pas bien du tout.
que ce n'est pas bien du tout. OK. Maintenant, pour les compétences personnelles. Les compétences personnelles, c'est les compétences qui ont trait au caractère de la personne. Et on a divisé les compétences personnelles en plusieurs catégories, donc compétences en leadership, compétences en leadership, et compétences en communication, autonomie, compétences en formation et mentorat, faculté d'adaptabilité, capacité relationnelle et également sens de responsabilité et de leadership. Et bon, c'est pas une surprise. On peut voir que dans ces postes-là, à plus de 50%, on exige les compétences en leadership et les compétences en communication. Donc, ces compétences-là sont très, très demandées. Si vous n'êtes pas une personne de dynamique, vous allez avoir des difficultés à gravir l'échelon de la pyramide du laboratoire. Parce que le laboratoire, c'est une profession de leader. Même quand ou est que les WAP travaillent dans le laboratoire, c'est un côté où il est. Ou censé, et m'takadim toujours dit ou serré, mais cependant, pour capable faire travail ou très bien, il faut que vous gagnez ça aurait les pour que vous capable faire. Et surtout, il faut que vous compte les communications. Donc, parce que vous bon travail que vous avez fait, non seulement, il faut que vous capable convaincre Bossou sur l'innovation que vous voulez faire dans le laboratoire là, mais aussi, vous gagnez des collaborateurs technologistes pareils ou moun ke wap supervise yo qui le plus souvent manque comprendre bien fondé travail yo. Donc c'est pour ça il est important de pour non seulement d'avoir cette capacité de leadership mais aussi y savoir bien communiquer. Donc vous pouvez le voir là au niveau du graphe. Donc ces deux compétences-là prédominent. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a? Qu'en est-il du profil idéal du technologiste médical? Alors, à la suite de l'étude, on a décidé de dresser le profil idéal du technologiste médical, en fait, par rapport aux exigences des employeurs. Donc, pour satisfaire le profil idéal qu'un technologiste médical puisse avoir pour satisfaire le marché de l'emploi, pour pouvoir occuper un poste de haut niveau dans le domaine du laboratoire en Haïti. Et comme niveau de formation, on a vu qu'il faut avoir au moins une maîtrise. Donc, avoir une maîtrise est très, très important, mais comme je viens de le dire et pendant l'introduction, et les médicaux sont malheureusement paresseux en termes de formation continue. Bon, je ne sais pas si c'est le système qui nous a rendu comme ça. D'ailleurs, pour même une formation de recyclage, nous habitués, c'est juste déplacer. Ils ont payé nous pour nous suivre formation. Donc, ils ont payé nous pour nous suivre formation et puis nous tournons. Donc, nous n'avons pas de culture dépensée dans le prochain. Donc, c'est vrai que nous connaissons que les professions. Donc, c'est bien malheureux par rapport au niveau salarial, là, c'est des gens de petites bourses qui la donnent. Mais cependant, vient mélanger avec le fait que yo gâté nous, n'importe si formation, il faut que nous t'a dit, yo paye nous pour lui, ça vient faire que nous pas de culture paye pour tête. Eh bien, et à travers cette étude, on a vu la nécessité de vous sensibiliser pour pouvoir vous former davantage. N'hésitez pas à payer pour vous former davantage parce que vous allez en jouir les privilèges par la suite. Et normalement, le profil idéal pour le technologiste médical, non seulement le niveau de maîtrise est nécessaire, mais aussi le temps, il faut que l'on ait en moyenne 3 à 4 ans d'expérience. Donc, 3 à 4 ans d'expérience. Et par-dessus tout, il faut pouvoir savoir maîtriser les logiciels de bureau. Les logiciels de bureau, à savoir Excel, Word, PowerPoint. Donc, Excel et Word, pour pouvoir dresser des rapports,
surtout de la majorité des ONG et au sein de certaines institutions, Excel est utilisé pour faire ce que l'on appelle et la gestion de stock. Et il y a beaucoup de choses qui sont faites également et qui sont faites sur Excel. Donc, c'est très important. Et PowerPoint également, donc en tant que lab advisor, du moins lab officer, ou du moins en tant que occupant d'un poste de haut niveau, c'est sûr que vous allez être sollicité régulièrement pour faire des présentations. À ce moment-là, il faut savoir et manipuler PowerPoint. Donc, c'est très important pour vous comme technologiste médical. Et également, il ne faut pas négliger l'anglais. On l'a vu que dans plus de 50% des offres d'emploi, on exige que le technologiste médical puisse savoir parler l'anglais afin que l'on puisse l'accepter pour l'offre. Et également, il faut la connaissance et l'expérience du terrain. Donc, OK, comme compétence technique et pour un technologiste médical, c'est avoir une maîtrise, avoir au moins 3 à 4 ans d'expérience, maîtriser les logiciels Word, Excel et PowerPoint, principalement, savoir parler l'anglais et avoir la connaissance du terrain. Je vais vous rappeler pour vous dire que la connaissance et l'expérience du terrain, c'est savoir ce qui se passe dans votre environnement et s'il le faut, en faire l'expérience. Donc, c'est-à-dire, c'est vrai, ou capable très professionnel, ou capable très professionnel et dans savoir-faire de laboratoire, et ou très fort la donne, mais il pas suffit, il faut qu'on ait ça qui a passé autour de vous-même. Nous connaissons que, pour gagner l'eau de travail, ou l'offre une bourriquée, comme vous toujours dites, juste prêter langage, ou utiliser, l'offre une bourriquée, c'est le moment d'arriver à la caillou pour reposer, mais pas oublier. Souhaiter faire un effort en plus pour qu'on ait ça qui a passé, par exemple, au niveau du laboratoire national, au niveau du ministère, pour telle ou telle pathologie, qui protocole et qui en vigueur, qui outil qui est utilisé, s'il le faut, même ces bénévoles là ou fait pour capable utiliser, il y a utile parce que demain, l'on a un poste qui est plus bon que côté, vous voulez quitter pour aller là-dedans, vous parlez de demander, est-ce qu'on connaît et non pour telle maladie, qui protocole. Est-ce qu'on utilise tel ou tel outil? Donc, c'est très important pour vous comme compétence technique. Maintenant, et comme compétence personnelle, c'est il faut que vous ayez la capacité d'organisation leadership. Donc, je le dis souvent, la profession de technologie médicale, c'est une profession de leader. Pas de monde qui a réussi, bien dit réussi, dans la profession de leader. Donc, réussi pour moi, même pas vle dire gagner 20-40 ans d'expérience, réussi vle dire faire un bagage positif dans l'environnement, transformer ou pas qu'à faire quoi que ce soit, sans pas gagner leadership. D'ailleurs, nous connaissons le contexte haïtien nan, par rapport à la laboratoire, comment lié déjà. Ça veut dire, là où est un monde, on arrive à accomplir la moindre chose, eh bien, lui dépenser en pile d'énergie. Faut que nous sommes un vrai leader pour être capable et transformer le milieu. D'où la profession de technologie médicale est une profession de leader. Et il faut que vous gagnez ça relayer la capacité de communication. Communication, ce n'est pas juste parler, ce n'est pas monter voix. Ce n'est pas monter voix dans la réunion, ce n'est pas hausser le ton, ce n'est pas dérespecter vis-à-vis ou qui veut dire que vous capable de parler. Avoir la capacité de communication, c'est avoir la capacité de persuader, avoir la capacité de convaincre pour que vous capable de réussir et ça que vous besoin, pour que vous capable de réaliser, accomplir ça que vous besoin. Donc, plus de cela, il faut que vous gagnez ça relève la faculté d'adaptabilité. Il faut que vous soyez capable d'adapter à n'importe quelle situation. Il faut que vous soyez capable d'adapter pour pas dans plein seulement des conditions pas favorables,
mais faut être capable de capacité pour utiliser minimum de ressources pour adapter et pour capable transformer milieu. C'est ça un leader. Et c'est ça que yo mandé, ou après yo yo mandé peu importe chaque employeur qui a utilisé un langage différent, mais globalement ils que vous ayez la faculté d'adaptabilité. Ils exigent que vous soyez quelqu'un qui a le pouvoir de s'adapter à n'importe quelle situation. OK. En plus, il faut également que vous soyez quelqu'un de très relationnel. Il faut que vous soyez quelqu'un de très relationnel. Donc, c'est ça. Pendant que je suis venu à ça, ça rappelle que je suis allé, pendant que je suis actuellement à côté de là, je suis allé à un côté, dans le cadre d'installation de nouveaux équipements. Donc, malheureusement, tu as eu un aménagement pour te faire dans le laboratoire là, mais c'est un coordonnateur, un superviseur régional. Et un superviseur régional, un collègue technicien, pour être capable de relayer, pour informer que, mais qui ça yo fait. Donc, mais qui ça yo fait, mais qui aménagement yo fait, voilà, mais qui ça fait dans le laboratoire là pour que, et pour que yo capable de recueillir nouveaux équipements. Eh bien, pour la manager à relayer, le docteur médical là dit comme ça, ah, un tel, et mon cher, on quitte. Puis, on quitte plutôt, c'est l'Elvini. Liwe parce que le caractère trop difficile. Donc c'est juste, c'est pas pour critiquer, mais c'est juste pour dire que il faut que vous soyez quelqu'un de très relationnel. Très relationnel, pas veut dire que pas veut dire que vous obligez maintenant quoi avec tout le monde. Très relationnel veut dire qu'il faut que vous cultivez de très bonnes relations dans la limite du professionnalisme, vous cultivez de très bonnes relations avec les autres. Et il faut également que vous soyez quelqu'un d'autonome. Il faut que vous soyez quelqu'un d'autonome pour que ce n'est pas que pour n'importe les pour les VPO ou objet de superviseur qui dit ou de vos situations pour capable ou de vos problèmes pour résoudre problème non ou obligé c'est un superviseur qui dit oh mettez le problème résoudre ou pas une capacité pour identifier problème et de par ou même seul. Il faut que vous-même vous développez ça relève autonomie la carrière parce que non seulement il exige au lit mais lors de nos niveaux pour ça yo quoi nous souvenez avoir besoin et il faut en dernier lieu pour les compétences techniques que vous ayez ce que l'on appelle le sens de responsabilité. Il faut que vous soyez responsable. Faut dire tout que je suis l'équipe, l'équipe n'existe pas sans moi. Je suis l'équipe et l'équipe est moi. Ce n'est pas dans le sens de superstar, mais c'est dans le sens que lorsque vous avez des pour faire pour l'équipe, eh bien, vous partez sur l'autre monde pour faire. OK? C'est très important. OK? Donc, ça pour. Je vais faire un bref rappel pour le profil idéal qu'on a pu dresser et de l'étude. Idéalement, un technologiste médical qui souhaite occuper un poste de supervision, un poste de haut niveau dans le domaine du laboratoire, il faut qu'ils aient au moins une maîtrise, idéalement je dis, et avoir 3 à 4 ans d'expérience, maîtriser les principaux outils des bureaux comme Excel, Word et PowerPoint, savoir l'anglais parce que c'est très exigé et avoir la connaissance et l'expérience du terrain. C'est ça comme compétence technique et comme compétence et personnelle. Avoir la capacité d'organisation et de leadership, avoir le sens et avoir la capacité de communication et être capable de s'adapter à n'importe quelle situation, utiliser les ressources minimales pour pouvoir changer son environnement, avoir et vivre de très bonnes relations avec ses interlocuteurs, avoir être autonome et aussi avoir le sens de responsabilité. C'est très important pour un technologiste médical qui souhaite aller de l'avant dans le domaine. Maintenant, avant de terminer, je vais partager avec vous
quelques considérations. Je dois vous dire que le caractère personnel joue un rôle capital, un rôle très important dans l'épanouissement professionnel. OK? Donc, et c'est très important. Et comme vous le voyez, des compétences qui émanent de votre caractère sont très, très exigées pour ces catégories de postes-là. Il est très important pour les institutions qui participent au développement personnel des technologistes médicaux d'adapter leur plan de formation. D'ailleurs, si vous voulez constater au cours de ces deux dernières années, la TMLH a modifié son calendrier pour pouvoir l'adapter à la nouvelle réalité. Donc, si vous allez faire, donc je vous invite à aller sur notre site web pour voir toutes les offres de formation, et vous allez voir que toutes ces formations-là correspondent aux exigences actuelles du marché. Et il est un impératif, il est obligatoire pour les technologistes médicaux de se former en vue de se rendre plus compétitifs sur le marché de l'emploi. OK? De nos jours, seulement le diplôme de technologie médicale ne suffit pas. Le diplôme de technologie médicale à lui seul ne suffit pas. Il faut que vous ayez la capacité d'utiliser un ordinateur, manipuler Excel, utiliser Word pour un rapport et utiliser PowerPoint pour une présentation. Donc, c'est très important. Et en conclusion, je dois vous dire que on peut travailler à titre de technologiste médical et ne jamais toucher un microscope. Donc, ça, c'est clair. Donc, il faut que nous retirer notre tête, nous, que technologiste médical égale paillasse, technologiste médical égale microscope. Il y a un technologiste médical capable d'aller au-delà de cela. Il y a un technologiste médical capable d'occuper des postes et qui n'a pas rien pour eux. L'homme dit des postes qui n'a pas rien pour eux avec la paillasse. C'est vrai, répercussion, yo. Sous le laboratoire, d'ailleurs, il y a un nombre qui est toujours comme trouvé qui est un petit peu funny, qui est un petit peu drôle. C'est dans l'expérience passée, j'étais lab spécialiste pour HMS. Il y a un rôle qui m'a gagné, c'était en plus d'installer et réparer l'équipement de laboratoire, mais c'était faire formation sur comment utiliser l'équipement, faire formation comment utiliser les réactifs. Mais aussi, c'est une sorte de référent de qualité pour les gens qui achètent les produits. Les gens qui ont un problème de contrôle de qualité, c'est moi-même qui ai contrôlé. Eh bien, les comptes drôles, les comptes tristes pour arriver dans le laboratoire, pour faire une formation, premièrement, les gens étonnés, leur présentateur tout, ou dit c'est technologiste médical, oui, parce que dans tête, technologiste médical, pas ta café, bagay ça. Deuxièmement, les gens disent comme ça, est-ce qu'on ne peut pas oublier profession? L'inquiété pour pas oublier profession, c'est-à-dire savoir faire pendant profession. Donc, il est très important de savoir qu'on peut travailler à titre de technologiste médical et ne jamais toucher un microscope. Deuxièmement, pour conclure, je dois dire que pour pouvoir occuper des postes plus intéressants que la paillasse, il est un impératif, il est obligatoire de se former davantage. Il faut que l'on ait à sa poche l'informatique, l'anglais et d'autres enseignants. Et s'il est important même, il faut que vous fassiez des maîtrises. C'est très important. Donc, actuellement, nous ne sommes pas obligés de déplacer pour nous faire maîtrise. Nous sommes capables de faire des maîtrises à distance. Et il y a même des offres, il y a des bourses d'études. Si nous n'avons pas suffisamment de fonds, il y a des bourses d'études qui sont toujours. Ben, il faut que nous cherchions. Parce que chaque année, toujours qu'on a des mondes qui déplacent. Qui a le fait avec qui joue des bourses études, qui a le fait des études. OK, mais souvent qu'à déplacer ou qu'à opter pour une maîtrise à distance. Et on n'obtient pas un poste de supervision
parce qu'on est expert à la base. C'est très important. On n'obtient pas un poste de supervision uniquement parce qu'on est expert à la base. Ça, c'est la réalité. Il faut que vous sachiez donc, et les autres outils, les autres compétences que nous devons gagner en plus du diplôme, il y a aussi bien important que les compétences que vous gagnez dans la paillasse, les compétences que vous gagnez pour capable d'identifier une paillasse. Je vous remercie. Maintenant, on est ouvert aux questions. Je vous remercie, Marc, pour sa brillante présentation. C'était vraiment bien. Toutes mes félicitations à Marc pour ce travail de recherche. Donc, je vous prie d'écrire vos questions dans la partie chat. Je vais les lire afin que Marc-Mi puisse répondre. Donc, vous avez pu remarquer que Marc-Mi a insisté et a mis l'emphase sur le leadership dans le domaine. Donc, c'est très important et une des missions de l'association, c'est de former des leaders dans le domaine de la technologie médicale. Comme il a si bien dit, certains postes de technologistes médicaux sont occupés par d'autres catégories de professionnels en manque de formation et de leadership. Donc, je vous encourage, pour ceux qui n'ont pas encore fait, à rejoindre l'ATMLH, l'Association des technologistes médicaux licenciés d'Haïti, pour de plus amples informations ou pour se former davantage. Et je vous encourage à visiter notre site web pour savoir comment intégrer l'ATMLH. Donc, je vais passer à la partie chat pour prendre les questions. Une fois de plus, félicitations à toi, Marc-Mi. Merci. Il y a une question. Donc, vous pouvez écrire vos questions dans la partie chat, s'il vous plaît. Alors? Est-ce qu'il y a une main levée? Oui, j'ai une intervention. OK, identifiez-vous, s'il vous plaît. Alors, je réponds au nom de la France à Nel. Vous m'entendez? Oui, vous pouvez continuer. Je travaille pour le réseau PCPD en tant que conseiller des laboratoires et gestion des intérêts. Alors, j'ai une intervention à propos de ce que M. Marc-Mi avait dit sur les technologies médicales faisant croire qu'ils sont paresseux pour les études supérieures. Donc, j'ai un certain recul par rapport à cette intervention, constatant que en Haïti surtout, il n'y a pas vraiment d'études supérieures pour les technologistes médicaux. Donc, quand les technologistes médicaux achèvent la formation professionnelle, donc, ils n'ont pas accès à une étude supérieure. Il y a seulement BAMS qui était, pendant quelques années, considéré comme une étude supérieure. Donc, après, on l'a intégré à la faculté de médecine. Depuis lors, il n'y a pas vraiment d'accessibilité de formation supérieure pour les technologistes médicaux. C'est ce qui explique cette paresse-là. Ce n'est pas de façon volontaire, mais il y a vraiment une pénurie d'accessibilité pour les formations de haut niveau. OK. Si je peux me permettre de répondre, il y a une carence. Vous pouvez fermer votre micro. Il y a une carence en termes. Bon, il n'y a pas de formation, de formation supérieure. Ça, c'est un constat dans toute la vie nationale. Il n'y a pas de formation supérieure pour quelle que soit la catégorie de professeur en Haïti. D'ailleurs, la majorité des programmes, il n'y a presque pas de programme de maîtrise en Haïti et plus de 60%, c'est pour ne pas exagérer, oui, que je dis plus de 60%. Plus de 60% des programmes de maîtrise en Haïti ne se terminent jamais parce qu'ils ne trouvent pas de professionnels qualifiés pour pouvoir enseigner dedans. OK, ce que j'essaie de dire, il y a des formations, des maîtrises à distance que vous pouvez faire. Il y a des études à distance que vous pouvez faire. Il y a des Vous pouvez vous déplacer pour aller étudier. Tout le monde, la majorité des gens que vous voyez avoir
une maîtrise en santé publique, une maîtrise en ci, une maîtrise en cela. Ils se sont déplacés pour aller le faire. Et la plupart, ce sont des bourses ce sont des bourses d'études qu'ils obtiennent. Et en plus, et il faut que vous mettiez ça à l'esprit. Dans quel que soit le pays, on ne va pas dire, OK, il y a telle ou telle et maîtrise, c'est pour les professionnels de laboratoire. Venez, il y a des maîtrises, des offres de formation et ils établissent des critères d'éligibilité. Normalement, c'est à vous d'aller screener les formations de terrain et voir les critères d'éligibilité pour voir est-ce que vous ne pouvez pas être admis dans ces études. OK, donc, et voir pour un réflexe là. Prends exemple BAMS, parce que BAMS te dit, tout professionnel laboratoire vini, mais cependant, gagner des programmes de MBA, gagner des programmes de MBA en Haïti, nous pas aller dans yo. Et moi, j'ai des programmes de santé publique en Haïti, nous pas aller dans yo. Donc c'est vrai. Ok, alors. Donc c'est vrai, mais cependant, nous pas utiliser opportunité qui gagne, nous pas utiliser ressources, nous pas puiser, nous pas creuser. Pour être capable de joindre. Donc, moi, c'est ça que je me reproche. Ok, merci, Martmi. Et après, Daniel, vous voulez continuer? Oui. Ok. Okay. Vous avez une minute, Daniel. Ok, je vous remercie, Martmi, pour l'intervention. Donc, c'est ça que je suis vraiment content pour la présentation. Ça va au moins l'autre orientation avec les professionnels. Et technologies qui, presque dans le système sanitaire, a subi un bon côté systématique. Vous comprenez? Donc, je suis vraiment content le fait que l'on dit, les on côté, il faut imposer, il faut faire sentir. Vous comprenez? Faire sentir, ce n'est pas seulement un monde qui est derrière Paris, qui a vraiment connaissance seulement sur Paris. Parce que généralement, dans le système santé, nous, depuis le laboratoire, on a un petit boîte de fer, mais à côté, pas même quand le monde va passer. Et puis, qui a fait un paquet de tests. Donc, la visite, moi, surtout, je compte dans ce laboratoire, ou après même lumière, on va mettre, ou bien on considère une petite boîte à côté, qui est vraiment lamentable. Donc, je suis vraiment content de faire que vous avez l'autre opportunité qui gagne. Et bon, je suggère, je m'encourage, le fait que les gens connaissent nos informations. Par exemple, les gens au niveau d'études supérieures pour nous partager au sein de l'association. Pour permettre que mon ouvre les yeux l'autre monde pour voir qui possibilité de gagner et possibilité pour être capable d'aller plus loin. Et merci Anel. Donc il y a Abdias qui a levé la main, mais juste avant Abdias, je vais lire une question à la partie chat. Un moment. Ok, cette question est de Paul. Pour être efficace et compétitif sur le marché, une maîtrise de l'anglais signifie-t-elle que je dois le parler couramment aussi? Question à Monsieur Brézou. Oui, il faut savoir parler avec le blanc. Donc il faut savoir parler avec le blanc. Et également il faut que l'on ait un niveau minimum pour pouvoir utiliser les outils. Certains outils. D'ailleurs, vous savez que la profession, en fait, la science évolue en anglais. Donc c'est pas en fait cette exigence en anglais là ce n'est pas imposé uniquement au laboratoire en Haïti, c'est partout à travers le monde où te mettre en Allemagne ou te mettre quel que soit notre grand pays là, si on évolue dans le domaine scientifique, il faut et s'ouvrir épanouir, il faut la maîtrise de l'anglais. OK, donc Paul a dit aussi merci, j'ai beaucoup appris de cette formation. J'ai beaucoup appris, cette formation va me permettre de faire un bon géant en Afrique. Dioclès a dit merci Martmi pour la présentation, félicitations. Il y a Yves-Marie qui a dit merci beaucoup pour la présentation, c'est une très belle présentation, félicitations. Et Paul a dit les slides ont été bien illustrés aussi, ça a rendu la présentation encore plus captivante. Yves-Marie a dit comment pouvez-vous nous orienter pour pouvoir entamer une maîtrise en biologie médicale en Haïti. Donc, juste avant l'action de Jeannot, on va prendre la question de Charlotte Abzas. Abzas, tu as la parole. Oui, bonjour tout le monde. Merci
Merci, Marmi, pour la présentation. Ça a été super et je suis vraiment fier d'avoir été votre collaborateur. Donc, je voulais juste ajouter deux petites choses. Pendant qu'on travaillait sur le document, on a été stupéfait de voir le niveau de demande de personnes ayant au moins le niveau maîtrise et dans le cadre du travail, d'une part, et d'autre part, et le pourcentage de demandes d'anglais nous ont interpellés on en avait parlé dans l'équipe qui travaillait sur ce document et qu'on devrait faire quelque chose pour sensibiliser les gens. Et c'est ce qui est en train de se faire. Encore chapeau Marmi pour avoir eu cette idée géniale de travailler sur ce document. Je voulais ajouter une chose concernant ce que Marmi disait lorsqu'il travaillait sur le terrain pour HMS, Hospital Medical Supplies. Et beaucoup de gens lui demandaient est-ce qu'il a abandonné la biologie médicale. Je dois vous dire que de plus en plus, les institutions internationales encouragent pour le service biomédical ceux qui ont déjà une connaissance en biologie. Et pourquoi? Parce qu'on a constaté que ceux qui maîtrisent la biologie ont cette facilité de comprendre ce qui passe à l'intérieur de la machine par rapport à leur connaissance initiale sur la biologie. Donc, c'est de plus en plus la biomédicale, le service biomédical est plus ou moins orienté vers la biologie médicale, vers la technologie médicale, pour bien dire. Ça, c'est une première chose concernant ceux qui se demandent est-ce que ceux qui travaillent en biomédical n'ont pas un peu délaissé leur métier de base qui est la technologie médicale. La deuxième approche, c'est concernant les niveaux supérieurs. Et je dois vous dire que, bon, me dis ça encore. Et très souvent, nous plutôt fermer tête nous dans le laboratoire là, nous dit qu'on ça y a pas bon côté pour nous passer. Tandis que côté pour nous passer, y a bel et bien existé, c'est nous-mêmes qui va exploiter. Par exemple, au niveau local, bon, pour un niveau local, gagner et des possibilités de maîtrise. Par exemple, l'université Kiskeya offre un programme de maîtrise en santé publique. Donc, ce n'est pas réservé aux médecins. Généralement, tous les ans, il n'y a que des médecins, des infirmières qui postulent. Donc, pourquoi pas nous? Nous sommes éligibles. Donc, non, parce que tu travailles dans le laboratoire, là, donc, il n'y a pas de monde. Exactement, ce n'est pas en question de qui est dans le laboratoire. Et c'est exactement ça. Moi, j'ai été discuté avec des gens. Pour qui ça en plus le poste, c'est des médecins qui occupent eux, c'est parce que normalement, ils demandent minimum mon niveau maîtrise pour qu'on occupe. Donc, comme ils n'ont pas aucune technologie qui est maîtrise, ils sont obligés de faire à un médecin ou bien une infirmière qui a un niveau maîtrise. Donc, du coup, on a insisté pour encourager, chercher, joindre. Opportunité disponible, c'est à nous de faire le pas. On ne va jamais rien vous donner. Il faut, bandit, fourrer mes bras, FMP. Donc, ça fait que vous avez sur le plateau de donner par où. Fourrer mes bras, il existe, allez vers lui. Bon, c'est ça que je voulais ajouter. Et encore, Marmi, félicitations, chapeau. Ton idée a été géniale. On a travaillé beaucoup là-dessus. Et je tiens à féliciter encore Auguste, qui a fourni un travail exceptionnel. Et c'est la pépite d'entre nous et on a été stupéfait de la découvrir, n'est-ce pas? Yeah, oui, c'est ça. Donc pas connait ça non littéralement c'est lui l'oral d'ta pour. Exactement, oui, c'est ce qui va me dire là non, même connait accoucher donc moi sûr qu'elle était enceinte. Ah, OK. Bref, et en tout cas message pour tout le monde qui a suivi formation ça et pas tant yo côté baou mais à chercher. Donc bon, bref, c'est ça. Ok, merci Abdias. Et il y a plein de questions qui sont posées aujourd'hui qui seront répondues dans la présentation du mardi, le laboratoire médical technologie versus qualité. Vous aurez l'opportunité de découvrir les professions, les autres métiers cachés dans la profession de technologie médicale. C'est vraiment important.
Donc, on va prendre la question de Jano. Comment pouvez-vous nous orienter pour pouvoir entamer une maîtrise en biologie médicale en Haïti? OK. Et normalement, ma pouvez cadrer la question Jano. Donc, ce n'est pas une maîtrise en biologie médicale. Il faut que nous plus ouvert que la biologie médicale. Il faut que nous plus ouvert que le laboratoire. Actuellement, je suis en train de faire une maîtrise en santé publique, mais cependant, nous n'avons pas un cheminement que nous prenons, donc gagner des diplômes de mi-chemin qui ont mis pas au cours, qui ont été offert, côté que nous obtenons une spécialisation en information médicale. Spécialisation en informatique, en information médicale, ça qui confère, ce n'est pas un background en informatique là, qui confère, bien que c'est. Nous sommes capables de faire le pont entre développeurs de logiciels et technologies médicales. Mais cependant, c'est le background lab là qui confère. Il faut que nous allions au-delà. Donc, je pense que nous avons des possibilités. Je pense que vous capable de retenir les présentations de Bétia qui a fait mardi prochain. On va pouvoir plus de détails sur la profession. De domaine biologie médicale, il y a des débouchés qui gagnent. Mais cependant, aller au-delà, pourquoi pas santé publique, pourquoi pas l'épidémiologie, pourquoi pas d'autres choses, pourquoi pas un MBA par exemple, pour qui ne sont pas pour maîtrise en administration, qui pour avoir des compétences en management, une maîtrise en administration, quelle que soit filière qu'on prend, ou quelle que soit filière qu'on étudie initialement, ou capable d'aller là-dedans, des transversales. Donc, bien des opportunités. Bon, mais nous espérons partager l'opportunité ça avec et les membres de l'association via le groupe et WhatsApp, comme on a l'habitude de le faire, pour que nous soyons capables d'aller de l'avant. Rêve nous, surtout rêve équipe là, c'était ouais que à partir de l'étude ça, vous gagnez des technologies médicales qui émergent. Qui dit que il a fait maîtrise, qui dit il a fait telle ou telle étude avancée. OK, donc Rosemont Blanc a dit, bien oui, la présentation a été lucide et tient compte de la réalité. Zéphirin a remercié Marc-Mi et a dit merci, mes félicitations Marc-Mi et merci beaucoup, merci pour la présentation. Il y a Paul aussi qui a dit, mais monsieur présumé, la seule chose dont je reproche à la présentation, c'est que vous n'avez pas touché un point important dans les critères d'embauche qui est très demandé. Par l'État et encore bloqué par l'État puisqu'elle le requiert assidûment alors qu'elle ne favorise pas l'accès à d'autres institutions qui ne sont pas intégrées à l'UEH. Donc, est-ce que tu veux répondre, Macri? En fait, elle veut parler de la licence? Bon, peut-être, ça sous-entend ça, oui. OK, bon, et normalement, et ce qu'on a fait, donc on a fait, l'étude a été menée sur les offres, donc on n'était pas en train d'illustrer tous les critères qui existent, mais cependant, on a tenu compte des critères principal. Et à travers toutes ces offres-là, on n'a pas vu passer l'exigence de licence. Donc c'est pour ça que c'est pas apparu dans le rapport et dans le rapport d'étude. Et vous pouvez aller consulter le document complet. Vous allez voir en annexe et les différents critères. On a groupé les critères par catégorie. Et vous allez voir dans l'annexe les différents critères et aussi les différents titres de poste également. Donc, je vous invite à les consulter. Donc, on n'a pas vu passer et sous nos yeux durant l'étude. Donc, c'est pour ça que ce n'est pas présent. OK, merci Marc-Mi. C'est tellement intéressant. On pourrait passer toute la journée à discuter de cette étude qui est vraiment très enrichissante. Bon, il n'y a pas d'autres questions. Toutefois, il y en a d'autres. Il y a une question. Oh, Edgar, bienvenue. Yeah. Encore de te voir. Donc, d'accord, merci. La dernière question, c'est la toute dernière avec Edgar.
Et ensuite, on mettra fin à cette session. Je remercie Magmi pour la présentation. C'était vraiment une très belle présentation. Et je remercie aussi la présence de tous mes confrères donc, via Zoom. Donc, je vous dis bonsoir, ou du moins bonjour. Et Magmi, la question que j'aimerais vous poser, c'est concernant la politique de nos jours qui enclenche dans le processus donc, de recrutement, donc, surtout en Haïti. Maintenant, que pensez-vous donc, de cette situation? Parce que nous voyons aujourd'hui que la politique joue un grand rôle dans le processus donc, de recrutement, surtout au niveau du laboratoire, tant au niveau pour les technologies médicales, mais aussi pour les leaders donc, du laboratoire. Bon, en fait, par rapport à en fait, moi personnellement, par rapport à mon parcours et par rapport à mes expériences, peut-être que je ne suis pas la personne idéale à pouvoir commenter à propos de cette situation. Durant toutes mes expériences, je n'ai jamais été victime de la politique et normalement, j'ai presque tous les postes que j'occupais. Et je n'ai pas fait, c'était des compétitions. J'ai participé à des compétitions comme tout le monde et je réussis ça. Et je ne connais pas trop des gens qui sont victimes par rapport à la politique. Donc, c'est pour ça que j'encourage tout le monde à se former, à oublier la politique pour se former. Et si après avoir se formé, ils comprennent que la politique peut jouer un rôle, pourquoi s'en priver? Mais cependant, il faut d'abord se former avant même de penser à la politique. Pourquoi je dis ça, Marc? C'est parce que, et parfois, donc, il y a des gens donc, qui n'ont aucune qualification. Maintenant, quand on est venu avec cette personne donc, au niveau du laboratoire, maintenant, c'est la politique qui influence. C'est la raison pour laquelle donc, je pose la question. Peut-être qu'il y a d'autres gens qui peuvent témoigner. Mais dans la politique, donc, rentre très, très, très fond donc, au niveau donc, du laboratoire donc, en Haïti. Donc, je sais ce que je dis. Donc, je connais aussi donc, ce que je parle là pour le moment. OK. Donc, je comprends. Bon, malheureusement, le travail n'était pas centré sur les personnes occupant les postes, mais l'étude a été menée sur les offres elle-même. Donc, c'est-à-dire que l'étude ne peut pas répondre à cette question, mais plutôt si on veut et s'intéresser à une réponse à cette question, il faudrait mener une autre étude, non sur les offres, mais sur les personnes occupant ces emplois et en réalité. OK, merci Marc-Mi. Et je voulais ajouter, ce n'est pas seulement au niveau du labo, mais c'est au niveau du pays, c'est toutes les institutions que la politique prend. Ça, on a eu ce problème. On a remarqué ce problème aussi dans l'éducation, donc en écoutant les nouvelles à la radio, donc quand les gens se plaignent de cela, il y a les infirmières qui sont victimes de cela. Il y a toutes les catégories de professionnels vraiment qui sont victimes de cette histoire de politique. Donc, c'est lié plutôt au niveau du pays ou à la culture du peuple. Donc, s'il y a d'autres questions, je vous encourage à les écrire et ils seront répondus sur le site de l'association. Je remercie tout un chacun d'avoir pris part à cette session de formation, étant donné que toute bonne chose a une fin. Et on met fin à cette session de présentation. Et la plus prochaine formation sera pour lundi avec le docteur Larsen sur le titre déjà marqué. Profil et de compétences des technologistes médicaux en Haïti. D'accord, merci beaucoup et au revoir tout le monde et à lundi. Bye. OK, merci tout le monde. Bye bye. À la prochaine, à lundi, à 1h.